Alors je me retrouve maintenant devant un stand fort sympathique. On a vu tout à l'heure Empruntis, votre voisin, et évidemment qui dit courtier, qui dit prêt, dit également avant le produit, la ressource. Exactement, l'immobilier. Qu'est-ce que BSK Immobilier, ma chère Lise? Alors BSK Immobilier, c'est un réseau de mandataires, donc répartis sur toute la France. On est 2000 mandataires aujourd'hui. Je suis basée moi sur Obé, et j'ai une équipe de conseillers qui travaille avec moi, donc une autre personne sur Obé et 3 conseillers autour de Nîmes. Donc qu'est-ce que tu fais exactement? Tu recherches des biens, tu revends des biens, tu fais de la transaction? Alors il y a principalement de la transaction, pas de location pour le moment. Et donc il y a 2 axes, il y a la recherche de biens et ensuite la revente du bien, donc avec les demandes d'estimation qu'on peut avoir. Voilà. Alors si on te cherche ou qu'on souhaite recommander ou tout simplement vendre sa maison sur internet, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors on peut me trouver en tapant Lise Delbreil sur Google, vous aurez directement accès à mon site internet pour voir tous les biens que je propose à la vente et avoir toutes mes coordonnées, et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur Facebook, toujours avec mon nom et mon prénom. Eh bien, écoute, on est très content de t'avoir aujourd'hui au premier salon des Aubésiens, des entreprises AOB. Eh bien, on te souhaite un très bon salon, Lise, à très bientôt. Merci, bonne journée. Alors j'arrive maintenant à côté de Mélanie, que je connais bien, puisqu'elle s'occupe aussi de mes toutous, notamment pour le bien-être, le relax, les massages, la proprioception. On peut faire de l'ostéopathie, on peut faire plein de choses avec les animaux finalement. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier? Oui, alors moi je suis une ancienne auxiliaire spécialisée vétérinaire et j'ai décidé de me lancer dans une autre forme de bien-être, puisque les vétos, tout ça, ça reste quand même du bien-être animal. Moi c'est sous une autre forme, donc je pratique des massages chat-chien, je fais du renforcement musculaire aussi, je suis spécialisée en élixirs floraux, donc les fleurs de bac, et les soins énergétiques. Et tout ça, ça se passe à la maison ou alors il faut emmener son chien? Comment ça se passe? Non, moi je me déplace à domicile, sauf sur les soins énergétiques, je préfère rester moi à mon domicile puisque je peux les faire à distance. Et les fleurs de bac, je peux venir à la rencontre de l'animal, mais si l'animal est trop stressé, anxieux, je préfère rester à distance, je peux faire une consultation, entre guillemets, à mon domicile, mais en visio en fait. Écoute, merci beaucoup, c'est génial. En tout cas, on est super content d'avoir une entreprise comme toi au sein d'OB. Merci. Et de t'avoir également au premier salon des Aubésiens, des entreprises d'OB. Est-ce que tu peux nous parler également d'une autre activité? Parce que je vois que tu as sur ton stand le toilettage de l'Astrada, qui est représenté par Sarah, dont tu peux nous parler. Donc c'est pareil, toilettage à domicile, comment ça se passe? Alors, Sarah n'a pas pu être présente aujourd'hui, donc effectivement, je la représente. C'est la toiletteuse d'OB et elle fait du toilettage chat et chien. Donc n'hésitez pas à aller à sa rencontre, à OB, d'aller l'appeler pour pouvoir avoir des renseignements. Elle fait du domicile également? Non, elle a son salon à OB. Eh bien, écoute, c'est génial. On peut la trouver également sur Internet. Oui, les réseaux sociaux, c'est très, très, très facilement identifiable. Eh bien, écoute, on te souhaite un très bon salon. Merci en tout cas de ta présence aujourd'hui. Merci. Alors je me promène et j'arrive sur le stand de Vinatima, représenté aujourd'hui par Adèle et Marion. Elles vont nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Vous êtes d'ailleurs, félicitations, les dernières à rentrer dans l'essor aubésien, donc toutes jeunes aubésiennes. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise? Alors nous, avec Marion, on a créé Vinatima en février, donc c'est tout récent. On accompagne les petites entreprises dans la gestion de la relation client. On est spécialisé dans le tourisme, donc c'est à la base plutôt les campings, parce qu'on a géré un camping municipal ensemble. Mais tout ce qu'on peut appliquer chez les professionnels du tourisme, on peut l'appliquer pour n'importe quelle entreprise. Notre but, c'est d'accompagner pour la gestion de la relation client, donc ça peut être la communication digitale, le positionnement marketing et l'organisation interne pour les procédures. Afin de pérenniser l'activité, de gagner en visibilité, d'augmenter la satisfaction des clients et du coup de les fidéliser. Donc voilà. Est-ce que tu as une URL, j'imagine, bien évidemment? Bien sûr, donc on peut nous trouver sur vinatima.com, donc c'est vinatima.com. Eh bien écoute, merci beaucoup pour la présentation de ton activité. On est très fiers de t'accueillir parmi nous à l'essor aubésien. Bon salon! Merci! Alors je suis maintenant avec Manon, qui est une entreprise partenaire extérieure d'OB, mais qui aujourd'hui a un métier un petit peu spécifique, puisque toi tu proposes du maquillage. D'ailleurs Manon maquille, donc là pour le coup ça veut dire qu'on peut te trouver un petit peu partout, notamment dans l'événementiel, dans des mariages, ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise? Alors oui, j'ai créé mon entreprise du coup il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et je fais du coup tout ce qui est événementiel pour enfants, donc baptême, mariage, comité d'entreprise. Et je vais également chez les particuliers pour tout ce qui est anniversaire, chasse au trésor et maquillage. Donc voilà, je fais un petit peu les adultes aussi, mais particulièrement les enfants. Donc il y en a pour tous les goûts, voilà, que ce soit autant filles que garçons. Alors quand tu parles chasse au trésor, explique-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors j'étais dans l'animation avant en centre de loisirs, donc chasse au trésor, ben, c'est un petit peu donc sur le thème que l'enfant choisit. Donc ça peut aller de chasse au trésor licorne, comme pirate, pas de patrouille, il y en a un petit peu pour tout le monde. Et du coup, ben, en général, je me déplace chez les particuliers pour faire ben, les chasses au trésor en extérieur, donc dans leur jardin. Ou alors, sinon pas à l'extérieur, je peux aussi proposer dans le parc, notamment j'ai eu fait dans le parc des Aubry à Aubé. Pour ceux qui ne favorisent pas de l'extérieur. Voilà. Bah écoute, on te remercie de nous avoir rejoints à OB aujourd'hui, à ce premier salon des entreprises d'OB. Et merci également pour ton implication, parce qu'aujourd'hui tu maquilles les enfants. Oui, gratuitement, ici. C'est ça, je maquille du coup les enfants qui vont venir dans la journée pour le bien-être des tout-petits. Voilà. Bah écoute, le bien-être, ça nous parle. Merci beaucoup de ton implication et on te souhaite un bon salon. Merci. Alors tout à l'heure, nous avons vu S2 Concept qui propose des pièces moto. Et là maintenant, nous allons voir une autre usine, une autre entreprise aubésienne, Usinage Concept, représentée aujourd'hui par Polo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité ? Alors oui, l'activité, en fait, on est nous dans les murs de S2 Concept. On fabrique évidemment énormément de pièces pour S2 Concept, mais pas que. On travaille pour la moto, mais aussi pour le médical, pour la pêche, pour la plaisance, entre autres. Pour l'habitat aussi, on fait de la pièce sur mesure en fait. Alors quand tu dis de la pièce sur mesure, ça veut dire quoi? Et concrètement, qu'est-ce que c'est les pièces? C'est du métal? Alors on travaille sur tous les métaux ou les plastiques, alors que ce soit, on peut faire de l'alu, de l'inox, du titane, des aciers, mais aussi tous les plastiques usinables. Et aujourd'hui, une personne a une pièce sur une voiture de collection ou autre chose, hein, une pièce de sa maison qui est cassée, qui veut la refaire, qui veut pas jeter son objet. Et ben nous on est capable, avec une pièce cassée ou avec un plan, de lui refaire la pièce à la demande. Donc comment ça se passe? Alors il faut qu'ils viennent directement chez Usinage Concept, ou alors tu peux te déplacer sur site pour regarder si la pièce était éventuellement trop grosse. On peut se déplacer, on peut venir voir si la pièce, si c'est une pièce importante, on peut venir voir si elle n'est pas démontable, on peut venir voir aussi. Et, mais on se déplace, ou ils viennent sur place s'ils peuvent avec leurs pièces cassées ou leurs petits croquis s'ils sont suffisamment bons en dessin pour faire un dessin correct. Et puis à partir de là, nous on travaille, on leur fait un devis et c'est gratuit. Et à partir de là, après, on lance la fabrication de la pièce, une pièce, deux pièces, 10 pièces, voilà. On fait du prototype à la petite série. On va aller jusqu'à une centaine de pièces, mais on s'arrête là. Bah écoute, on est ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui, encore une fois. Ravis d'avoir des usines, parce que ouais. OB Petit Village, aujourd'hui, ne paraît pas, mais abrite des usines et de l'usinage avec Usinage Concept. Pour finir, un site internet sur lequel on peut retrouver une page? Oui, bah, Usinage Concept sur internet, on retrouve sans problème. Eh bien, écoute Paul, merci beaucoup, merci. Très belle fin de journée à toi, un bon salon. Merci, vous aussi. Alors je me trouve maintenant aux côtés de Eric Côté, comme le nom le dit, aujourd'hui tous travaux en multiservice. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise? Oui, alors mon entreprise, ça fait 22 ans que je suis dans ce métier. Donc je fais que des particuliers, à Aubé et aux alentours, j'ai un rayon de 30-40 km. J'ai des clients, ça fait 22 ans que j'ai, hein. Donc on a créé une infinité, mais je fais de tout en fait, que ce soit le jardin, les haies, les tailles de petits arbres, mais les platanes, fruitiers, ainsi de suite. Peinture, volets, portail, petit bricolage, maçonnerie s'il y a besoin. Et à l'intérieur, tout ce qui est peinture, dépannage, entretien de la maison à l'intérieur. Petits travaux. Tu es le Merlin l'enchanteur de l'essor aubésien. Oui, entre autres. J'ai beaucoup de personnes d'un certain âge seules qui ne peuvent pas le faire toutes seules, évidemment. Et avec le temps, elles s'aperçoivent que une personne qui fait tout, elle a confiance et elle apprécie beaucoup. Quoi. Donc beaucoup de bienveillance et même du bien-être, puisque ça te permet, à travers ton activité, de pouvoir accompagner les anciens à OB. Les anciens, et puis au moins ils sont contents du travail aussi. Mais c'est l'essentiel. C'est essentiel. Est-ce que tu as une page, un Facebook, quelque chose sur lequel on peut te trouver? Non, j'ai que du bouche à oreille, et bon, les gens qui me connaissent, ça fait... j'ai beaucoup de travail, donc j'ai pas besoin de page Facebook en fait. Alors n'hésitez pas sur le site, sur la page Facebook de l'Essor Aubésien, si vous avez des besoins, en tout cas pour venir faire de la rénovation ou faire du paysage, etc. Même à toute petite échelle, eh bien, à travers également la Gazette, évidemment, sur laquelle on peut trouver les coordonnées d'Éric Côté à l'Essor Aubésien. On te remercie, on te souhaite un très bon salon. Merci beaucoup, à vous aussi. Alors tout de suite, je viens à côté de Noël qui représente aujourd'hui son entreprise BNC. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise? Qu'est-ce qu'elle propose aujourd'hui à OB comme service? Alors énormément beaucoup de location de bennes. Je suis spécialisé dans la location de bennes, toujours pour les professionnels et aussi bien particuliers. Voilà, ça marche très bien en sachant qu'aujourd'hui on a énormément de problèmes sur tout ce qui est déchets. On ne peut plus se permettre d'aller à la déchetterie. Voilà, c'est qu'on nous appelle énormément pour les particuliers. Donc en fait, tu viens, tu déposes une benne éventuellement pour les gravats, ce genre de choses, et ensuite tu viens, tu la récupères et tu t'occupes de tout. Voilà, je m'occupe de la destruction des gravats, quoi. Voilà. C'est parfait. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Tu as une page Facebook ou via la Gazette, bien évidemment? Non, la Gazette, non, de bouche à oreille, ça fonctionne très bien, quoi. Voilà, j'ai pas besoin de plus. Le bouche à oreille fonctionne très bien à OB. Wow. En tout cas, bravo. Merci Noël pour ton implication. On te souhaite un bon salon. Merci.